Salut les copains, c'est le 1er novembre, le jour de la fête des morts au Mexique. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cette fête nous fascine autant. Car c'est la fête mexicaine la plus représentée et la plus connue à l'étranger. Mais avant ça, on va se mettre dans l'ambiance. Je suis prête pour vous emmener faire un petit tour au cimetière de Mixquic, un village du sud de la ville de Mexico qui est reconnu pour sa célébration du jour des morts. La première fois que j'ai assisté au jour des morts au Mexique, j'ai été assez surprise. C'est-à-dire que ça change de ce qui se passe à la Toussaint en France. Il n'y a pas ce caractère solennel qu'on connaît chez nous. Ici, on ne va pas au cimetière sur la pointe des pieds. On y amène la musique, les couleurs et la fête. Parce que les familles savent que leurs défunts auraient voulu qu'on se souvienne d'eux avec joie. Comme une image vaut plus que mille mots, je vous laisse voir par vous-même. Qu'est-ce que c'est exactement l'offrande dans le contexte du jour des morts au Mexique? Une offrande, c'est un petit autel à la mémoire d'un mort et sur lequel on met une photo du mort en question et où l'on amène aussi des plats ou des boissons qu'il aimait. Parce que la croyance veut qu'il vienne le manger le jour des morts. En fait, c'est une façon poétique de se souvenir de lui et de lui rendre hommage. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut même être ton animal de compagnie. En fait, peu importe qui c'est, l'important, c'est l'invitation à la fête des morts. Y todo eso me llevó a preguntarme, cuando yo muera, ¿qué me gustaría que me llevaran? O sea, ¿qué tipo de ofrenda me gustaría que me hicieran? Me gustaría que me tocaran con mariachi, la de ay, 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 canta y no llores. Y si me tienen que tocar en francés, sería ne me quitte pas. A nivel de comida, yo creo que del lado mexicano no pueden faltar los chilaquiles bien picositos. Y para mi lado francés, no puede faltar el queso bien apestoso, tipo camembert, roquefort, bleu d'auvergne. Eso sí, no es negociable. Y si no me lo llevan, si no me lo ponen, les vendrá a jalar las patas de noche, ¿eh? Hablando de comida, les quería platicar acerca de las delicias gastronómicas que encontramos en esta época del año, como es el pan de muerto. Es un pan de dulce, es esponjosito, bien espolvoreado de azúcar y su sabor puede ser de canela, de naranja, de chocolate, de crema. Y bueno, hay para todos los gustos. Eso se supone son los huesos del muerto. Y ahí me los voy comiendo. Muy rico. Aprobado y recomendado ampliamente. Après le pan de muerto, on a aussi les calacas. Littéralement, c'est les têtes de mort. Ça peut être de sucre, de chocolat, d'amarante. Et moi, ce qui attire le plus mon attention là-dedans, à part le fait que si tu en manges deux, tu tombes en coma diabétique, c'est que tu peux mettre ton nom dessus ou le nom de quelqu'un que tu connais. Tu peux la dédicacer à mon frère, à mon daron ou à qui tu veux, à un ami. Et donc, tu peux lui mettre des petits surnoms marrants. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Une autre chose typique de cette époque de l'année, c'est les calaveritas. Les calaveritas, c'est des petits poèmes en rime dans lesquels le personnage principal essaye par tous les moyens d'échapper à la mort. Mais bon, la faucheuse obtient toujours ce qu'elle veut. Alors si je devais définir le style des calaveritas, je pense que ce serait un petit peu comme mélanger l'ironie de La Fontaine et le tragique de Baudelaire. J'en ai écrit une pour l'occasion. Enfin, j'ai essayé d'en écrire une. C'est sans doute la première en français. Je vous laisse la découvrir, je vous laisse le link dans la description et elle sera sur ma page Facebook. La
Catrina sí es 100% mexicana. Había un grabador de finales del siglo XIX y a principios del XX, que es la época del dictador Porfirio Díaz. Su nombre era José Guadalupe Posada. Fue quien dibujó la Catrina. Y él usaba el motivo de la Catrina para denunciar la hipocresía de la aristocracia porfirista. De hecho, al principio la Catrina no se llamaba así, se llamaba la calavera garbancera. Y la Catrina, pues usaban esta palabra para designar a alguien que era muy elegante y bien vestido. Si retomamos todos los puntos que hemos visto en el video, pues se ve que la tradición del Día de los Muertos sí traspasó la frontera mexicana. No es una cosa nada más de hoy, pasa desde hace mucho tiempo. Pienso sobre todo en Sergei Eisenstein, quien había rodado en México, Viva México, justamente. El último Pixar, que se llama Coco. Y por último, creo que sí hay también que hablar de Tim Burton, que fue el director extranjero que fue lo más influenciado por la estética del Día de los Muertos y lo reconoció. Au fond, le jour des morts, c'est ça. Mort, je sais qu'un jour tu vas venir me chercher, comme tu es déjà venu chercher des gens que j'aimais. J'espère bien sûr que ça sera le plus tard possible, mais en attendant, viens et on passe un bon moment ensemble. Voilà, c'est déjà fini, on en a pris plein la vue, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes venu au Mexique et vous avez vécu ici le jour des morts, vous pouvez me commenter et je serai contente de lire votre expérience. Vous savez que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sève en voyage, et que vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Au revoir et on se voit bientôt.